Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga des conquérants, toujours sur Crusader Kings 3, toujours avec Usu. Salut Usu! Salut! Et on se retrouve avec Ostfalen et Mercy, les deux empires pas si proches mais proches quand même. Bon, quand même, ça, hein. Ça va. On l'un de l'autre. Oh, petit à petit, on va. Tu vas au Danemark, on est voisins. C'est vrai. Et puis petit à petit, on resserre les taux sur. Toi, tu vas, je pense, finir un moment, par un moment, peut-être quand même par l'Aquitaine et la France, faire la liaison avec ta Bretagne. Ouais, c'est ça. Moi, je continue petit à petit de descendre et arriver à un moment ou à un autre, il est possible que nos empires se rejoignent. Ouais. On l'a pas prévu hein, du tout, mais. On est également voisins en Méditerranée, souviens-toi. Ah ouais, attends, c'est vrai que j'ai chopé un truc, moi. T'as hérité de Malte. Ouais, c'est vrai, j'ai ça là-bas, ouais, la vache. Ouais. Ah, je l'avais oublié ça celui-là. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais tu l'as. Ouais. La chose que je vais faire, c'est un truc qu'on m'avait dit, je ne l'avais pas encore fait, mais je vais le faire, c'est supprimer la loi de succession. Ça me coûte 750 de prestige, mais maintenant, l'héritage du royaume de Mercy est par héritage classique. Ah oui. Ouais. Et donc, c'est lui, c'est alors, ça, il est héritier de l'Empire d'Hispanie. Ah bon, est-ce que c'est lui l'héritier du royaume de Mercy, du coup? Ouais. C'est en gros l'héritier de l'Empire qui hérite du royaume. Ah bon? Ouais, tu peux, en gros ce que tu dois faire c'est que tu vas dans le titre du royaume et t'as supprimé la loi. Ouais. Et ça permet de supprimer la loi d'héritage. Et c'est ça, on est en loi classique après d'héritage? Ouais, t'es comme en loi d'avant, enfin c'est la loi de l'Empire qui a l'air de primer, je pense, je sais pas. Parce que là mon héritier, bah, c'est l'héritier qui, c'est celui qui est élu pour l'Empire qui hérite. Royaume de Mercy, quel est l'héritage? Alors moi non. Ligne de succession. Succession selon vos lois, préférence masculine, partition confédérée. Ah ouais, sauf que moi par contre, tu vois, c'est mon petit-fils du coup qui hérite. Donc moi ça a tout changé. Oh putain. Ça, ouais. Tu peux peut-être le recréer, non? Ouais, 1500 de prestige, je les ai pas vraiment. Hein. Bon, va falloir que je recharge encore une fois. Putain, décidément, hein. Ah bah ouais, non, parce que ça va être trop chiant. Bah tu vois, ça a marché pour toi, bah pour moi non. Pourtant j'ai la même partition que toi, mais moi non, ça me fait carrément perdre un tiers de royaume. Et en plus mon principal. Alors bon, voilà. Eh ben, écoute. C'est pas grave, je mets en pause mon enregistrement, puis je recharge, on n'avait pas fait continuer, on est le 24 décembre, joyeux Noël. Allez, on reprend. Allez, on est de retour, voilà, c'est bon. Ce qui vaut pour un ne vaut pas pour l'autre. Alors moi, je refais. Voilà, et lui est ça. Ouais, ah, alors. Mais c'est peu... Je sais pas, c'est pas mon premier fils. Tiens, toi, je vais tenter un truc. Pour éviter, je vais déshériter mon premier fils. Ça me coûte 900 de prestige et 225 de renommée. Il me déteste, je suis stressé. Mais voilà. Ce n'est plus lui qui hérite de l'Hispanie. Est-ce que c'est lui qui en hérite? Ouais. Ah non, royaume d'Andalousie. Il n'y a plus d'empire d'Hispanie qui est hérité. Hop. Ah si, ben c'est le même héritier qui va hériter de l'empire de Mercier d'Hispanie. Voilà, problème réglé pour l'héritage. Bah toi, c'est pas mal, ouais. Alors là, ouais, moi... Ça m'a coûté très cher. Mais... Genre, ça m'a coûté tout mon prestige de faire tout ça. Mais voilà, problème réglé. De toute façon, j'ai quelques petites guerres qui peuvent être menées avec très peu de prestige, probablement à gauche, à droite. Ça devrait le faire. Non, mais je peux me faire une petite guerre, je sais pas moi. Contre Aladdin, par exemple. Pourquoi pas? Et ben... Ou alors du pillage, hein. Oui aussi, oui, tu peux toujours faire du pillage. Je vais remettre lecture de toute façon, et moi j'étais dans ma guerre pour récupérer une grosse partie de la Pologne. Avec plein de sièges en cours. Voilà. Tiens, un nouveau vassal. Sardaigne j'aime bien. Comté. Tortioli non. Caligari non. Orbotello. Tanas. Ah ben voilà, je vais faire ça, une guerre à 150 de prestige. Hop, j'ai levé mes troupes là où je peux les lever. Chef de Mazovie qui me propose une paix blanche. Non, c'est cela, oui. Non, merci.
Non, bah. Putain, regarde. C'est tous les sièges qui ont avancé d'un coup. Ça lui fait drôle. Hein. Ouille. Ah, bah oui. Moins 50% de score. Tu m'étonnes. Au mois de décembre, il était à plus 8. Hein. On parlait d'être voisin. Mais en fait, il y a un autre moyen. On est déjà voisin au Danemark, on est voisin en Méditerranée, on pourrait être voisin également du côté de l'Ukraine. C'est vrai. Parce que je me suis imposé là, avec un tout petit accès à la mer. Je fais, hop, je viens ici. C'est vrai, c'est vrai. Pas celle qui m'aime bien. Donc, ouais, franchement, il y a. En fait, on va se retrouver partout. On aura un truc dégueulasse dans le monde qui aura deux empires. Quoique, il y a la Mongolie. Est-ce que la Mongolie, c'est. Il y a du monde, ouais. Moi, je ferais pas confiance à la Mongolie. Hein. Pas loin de perdre une bataille. Est-ce que les renforts vont arriver à temps? Oh. Oui, non. Oui, oui. Oh la vache, c'était tendu. Ça fait une grosse bataille au final. Oh là là là. Ça fait 25 000 contre 8 000. Mais on était mal parti. Et on les a explosés au final. Ouf. Alors, il faut que je regarde. J'ai du prisonnier également. C'est vrai que je peux me faire du prestige en tuant du prisonnier. Ah, quoique. Si, non, de la redoutabilité. Mais ça me stresse. Je vais pas tuer des gens. Par contre, je veux bien. Ouh, 150. Le duc de Yedizan est mon prisonnier? Bah oui, je te rançonne, tu me kiffes. Je sais pas pourquoi je te garde. Et voilà, 100% du score de guerre. Nouvel atout. Je vais partir sur quoi? Se lier d'amitié. Préparer à régner. Les enfants reçoivent 1 à 3 points d'aptitude supplémentaires. C'est cadeau. Ouais, c'est sympa ça. Je trouve ça plutôt cool. Très aléatoire par contre, ouais. Hein, le gain, mais. Ouais, mais tu peux avoir des trucs intéressants. Ah, bah là j'ai un préparé régné, diplomatie, martial, ça arrête pas. J'ai eu un max de petites notifs sur la droite pour dire que mes héritiers avaient reçu des points. Appeler des gens, non, des faces. Iliana peut se marier. Ah tiens, bah je vais la marier à en matrilinéaire, mais pas chez toi, je vais la marier chez qui? Chez lui. Il est vieux. Alors toi tu vas avancer là. Et 4600 vous allez aller. Là. J'ai l'objectif de guerre, bien évidemment, ça aurait été très vite. J'ai relancé une guerre dans la foulée pour prendre un autre duché. J'essaie d'en prendre maximum avec mon perso crève. Byzance a changé d'empereur. Ah bah ouais. Il a 40 ans maintenant, donc soit il a vieilli très très rapidement, soit il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place. Ah, je pense qu'il y a plutôt quelqu'un qui a pris la place. Hein. Voilà, je me place ma petite pièce, mais à mon avis, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, on n'a pas encore inventé des accélérateurs de croissance à ce niveau-là, donc. Non, je confirme. Je me fais piller par le royaume de Novgorod, d'accord. Je sais pas où, mais pis. Juste pour voir. Oui, c'est vrai, c'est moi l'héritier de la Suède. Ah bah oui, à la base c'était moi, mais c'est vrai que c'était devenu toi, ouais. Ouais, ça va également pouvoir pas mal aider. Est-ce que je peux attaquer eux? Je pense que je vais pouvoir attaquer Tripoli et me poser dans la région. À moins que tu veuilles essayer de tenter d'y aller. Mais c'est quoi? Ils sont en guerre défensive ou... Non, pour le ouais, moment... ils vont disparaître, c'est dommage. Ils sont attaqués par Antioche et je pense que Tripoli va mourir. J'ai déjà bien de quoi m'occuper, tu sais. Ouh, c'est moi. L'Empire Arabe a changé de nom, c'est maintenant Muadit. Non, Muadamid. Donc il y a peut-être une succession bizarre. Ou une révolte. Ah oui, c'est vrai, il était encore... Non, t'as réussi la Mercy, t'es contre Krajna, c'est ça?
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, attends, je regarde parce que je vois que le mec, il a appelé des alliés. Donc, si je peux appeler quand même lui et lui, ce sera pas mal. Faut que je fasse gaffe. Bon, j'ai largement de quoi le combattre, hein, mais il a quand même 9000 hommes. Faut que je fasse gaffe. C'est 6 ans partout pour la conversion culturelle. Bon, bah, je vais convertir Mérida. Hop. Ah tiens, il y en a un qui a rejoint la guerre. Oh, il y a plein de monde qui a rejoint la guerre de la Sardaigne. Ah oui, il a plein d'alliés en fait. T'en es arrivé juste à temps, mais est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Non, on va perdre la bataille. Dommage. Si proche. Ouais, c'était dommage. Puis avec 7000 alliés qui arrivent, c'est encore plus dommage. Je suis en guerre contre Capoue, Sardaigne, Sienne. C'est que ces trois-là, c'est bien. Enfin, ouais, il y a l'air d'avoir que ces trois-là. Relever du monde du coup, tout lever. Ici, ça tombe dans le temps, 8 jours. Choisir un tuteur. Ils ont perdu mes alliés? Ah oui, ils ont perdu, ouais. Faut que je fasse gaffe quand même. Il a un approvisionnement très réduit, donc ça devrait le faire là. Moi j'ai gagné la guerre, mais juste pour le prestige, je fais une petite bataille. Tu as bien raison. Allez. Hop. Fin de la guerre. Et j'obtiens un tout petit territoire. Disperser, très bien. Il faut que je donne un de mes fils ou à quelqu'un de la famille, un cousin. Tiens, toi, t'as pas. Très bien. Grosse faction. Ouais, j'ai pas mal de factions contre moi. Faut que je fasse gaffe quand même. Hein. Alors, juste pour voir les modes. Ah, on aura bientôt fini les modes. Dans un peu plus d'un an, on a fini les modes. Bon, bah tant mieux. Plus de défense, ça va faire du bien aussi. Alors, des défenses améliorées. Pas trop quoi prendre. Tac, j'accepte. Grand bleu, moi. Les habitants de Mercy, une toute petite fête. Ça me coûte 225, la plus petite fête possible. Tu m'étonnes. Je l'ai influencé lui là. Ah, Sienne et l'autre qui avait rejoint la guerre, c'est des vassaux du pape. C'est très bien à savoir. Ça changera rien, mais très bien à savoir. Putain, en fait, ouais, non, le pape, il était déjà gros, hein, la fois passée. Parce qu'il avait mangé Ravenne, c'est vrai. Putain, je me suis fait attaquer en trade, j'ai pas vu. C'est bon, j'ai les alliés qui vont y aller. Je vais rester là. Ouais, non, trop tard. Déclarer la guerre, prendre duché. Ah bah oui, je vais prendre Marrakech. Quand j'aurai le prestige, mais je prendrai Marrakech. Oh, j'en ai marre de perdre des batailles là, putain, ça me saoule. Sur des conneries. T'as besoin d'aide? Non, non, c'est juste que je fais de la merde en fait. Je surveille pas trop ce qui se passe sur le terrain. Voilà, là j'en ai chopé 1500 qui sont isolés. Déjà, ça va les. On va les calmer et on va foncer sur les. Je vais te rejoindre.
Ainsi, ça va me faire un peu de prestige si j'arrive à faire quelques batailles. Okay. Et il jette 3000 hommes sur 15000. Il est sérieux? Bah écoute. Un présage, on a bon présage pendant 10 ans. Ah bah un bonus de santé, ah, on prend. Et il y a des écossais. Ah oui, c'est vrai, t'as l'écosse contre toi. Ah ouais, c'est ça, bah d'accord. Mais bon. Ouais, bah. Ils avaient envoyé un peu de renfort, mais ils se sont dit au final, bon, c'est bon. Ça. Hop. Si je peux rançonner toi, 150 pièces d'or, je prends, c'est cadeau. Les Vikings qui veulent plus de terre. Tiens, 520 pièces d'or. Ah oui. Oula. Ah, ils sont généreux les Yarms. Carrément. Et bah j'ai une révolte paysan sur la gueule. Il y a du monde. Hein. Par contre la révolte paysan. Ouch. Si je vais arriver à gérer ça en plus, enfin je vais y arriver, mais ça va être compliqué là. Bah, au pire, occupe-toi de tes rebelles et moi je m'occupe de faire des sièges. Allez, on prend, je prends, je vais faire ça. On y va. Là, je me calmerai à niveau guerre, mais c'est vrai que là, bon, si je vais en profiter un petit peu. Non, avec tous les petits que t'as autour de toi, il faut en profiter. C'est ça. Faut le faire ça. Gaffe quand t'attaques des catholiques, parce que tu sais qu'à chaque fois, ils vont engager les Templiers. Donc. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est probablement ce qu'ils ont... Je sais pas s'ils l'avaient fait, là. Non, je crois pas, mais... Je sais que le précédent l'avait fait, et lui, il a des mercenaires, mais il a pas d'ordre sacré, donc je pense pas qu'il l'ait fait. Donc ça a l'air de se gérer les... Ah non, il y a quand même un peu de monde au sud. Ah, ah. Alors attends, tiens, hein, pour une fois, c'est un plantage dû à... Ouais, c'est le jeu qui a lagué, donc... Ouais, partie, je reviens. Je te laisse revenir, pas de soucis. Mais bon, on a vu, voilà, c'est pas un grave souci. Hop. Non, non, ça. Vous profitez des magnifiques fonds d'écran du jeu pour ceux qui ne l'ont pas et qui ne peuvent pas en profiter de leur côté. C'est ça. Ça, c'est un truc, franchement, les images qu'ils ont pour les, ouais, les chargements, enfin, les écrans de chargement sont magnifiques. C'est un clair. Truc qu'on peut pas leur reprocher. Ah, non, non, ils ont vraiment. Parfois, ici, il n'y a pas. On avait vu, bah, c'était sur le serveur des jeux du Signe. Quelqu'un qui avait partagé une image de U4 où ils avaient l'image de Napoléon avec vous prenez plus d'attrition pendant l'hiver. Ah oui. C'était qui? C'était dans Stratégie, je pense. Pendant que ça charge. C'était Morgan qui fait également des vidéos sur la chaîne des jeux du Signe. Tout à fait. Et avait partagé ce beau screen de Napoléon qui découvre que des troupes prennent de l'attrition en hiver. C'est ça, c'est vrai que c'était marrant. Ouais, dans tout leur... Franchement, c'est un truc sur lequel. C'est pas le plus important, mais ça fait plaisir d'avoir des belles images comme ça. Tout à fait. Voilà, je suis là, merci. Et je suis de retour. Eh ben, c'est reparti. Tiag encore. Ouais, un petit peu. Ouais. Je vais descendre en vitesse 2, que tu puisses... que ça s'énerve un peu moins. Ouais, c'était du lag graphique, je pense. Bon. Hop. Ok, il y a 4000 écossais autour de moi. Et moi, pendant ce temps-là, je fais les sièges. Parfait. Bon, écoute, je suis en train de m'occuper de mes rebelles. Là. Ah oui, heureusement que t'as des renforts derrière. Ils sont vénères les rebelles. Ah bah oui, ils sont quand même vénères. Hein. Bon là, je pense qu'à 13 000 quand même, je pense qu'on est un peu meilleur qu'eux. Ouais, ça devrait le faire. J'espère. Et puis c'est que des rebelles, donc ils ont moins d'organisation. Appel à la guerre de la part de qui? Bah oui, c'est ça, je vais venir bien évidemment. Je vais me battre contre la Suède. Bah oui, tout à fait. Et je suis toujours héritier de Suède.
Oui, tu veux pas mourir, le suédois, ce serait pas le parfait moment. T'as 60 ans, Magnus. Ah, j'avoue. Et ainsi, ça fait un ennemi de moins dans la guerre. Contre qui je me bats, pour qui en fait? Guerre d'indépendance. De la. C'est quoi la Scanie? Qui? Ah, bah victoire. Victoire. Ah, mais c'est toi qui as fait une victoire. C'est ça. Contre qui tu te bats? Guerre du Danemark? Non. Oh, non. C'est Holstein qui veut s'indépendantiser. Mais oui. Oula. Ok, on a découvert les modes. Ah, on a découvert les modes. Ça y est. Attends, je vais prendre juste 2 secondes pour regarder qu'est-ce qu'il nous restait. Ce qu'on avait dit. Alors là, on avait fini. Les autres, on pouvait pas les avoir. Et donc, dans cette époque-là. Peut-être par deux. Il y a pas un truc qui te donnait plus de vitesse. Ou on l'avait déjà pris le truc. Je crois qu'on l'avait déjà pris, ouais. Faire à cheval. Ouais. Ben il y a les bourgs fortifiés qui peuvent donner plus de levée. Ouais, ouais, on peut faire ça. Intéressant, j'ai ouais, après j'ai vu que ouais. Chronique, coup en prestige du Cassius Belli, moins 10%. Mais bon. Ouais, on n'a pas de Cassius Belli. Ça peut aussi être intéressant. Est-ce qu'on On les achète pas. Mais non, mais quand tu déclares la guerre, ça te coûte du prestige hein, dans certaines guerres. Ouais, c'est ça. Et je me dis que c'est à ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Ouais, on va faire ça. Ça nous le fait dans combien de temps? Bon, dans 24 ans. Oui, bon, de toute façon. Ouais, 10%, c'est pas... ça peut être pas mal quand même. Le prestige, ouais, surtout quand tu viens de démarrer, quoi. Avec un perso. C'est ça. Et puis même quand t'as des grosses... tu viens de faire des grosses guerres. Quand ça te coûte, au lieu de 750, un duché, que ça te coûte 680, c'est déjà pas mal. C'est ça. Bon, les Écossais, ils sont très intelligents. Ils ont attendu que je sois dispersé et ils m'ont attaqué une armée sur les trois. Malheureusement, ils n'ont pas pris en compte que je pouvais moi aussi me déplacer. Ce qui est, c'est con. Du coup, ils vont perdre. Mais j'ai quand même perdu 3000 hommes sur cette bataille. Ah ouais, quand même, hein. Non, franchement, très bien joué, très, très bon stratège, l'Écossais. C'est tellement rare qu'effectivement, c'est bien de le souligner quand c'est le cas, parce que... Allez, dans 30 jours, t'auras une province en plus. Enfin, un des trois châteaux qui sera sous ton contrôle. Et toi, de ton côté, tu as éclaté les rebelles. Exactement, ça m'a permis de me concentrer là-dessus. Sans gentillesse, le monde s'effondre. Ah, guerre invalidée. Ok, bon ben, je vais mettre 2 secondes sur pause si ça te dérange pas. Le monde est devenu un peu vert. Alors, ici. Oh la vache, ouais, putain. Ouais. Oh la vache. Ah putain, je suis en guerre. C'est le Danemark qui m'attaque. Guerre suédoise. Non, t'acceptes pas une paix blanche. Guerre suédoise. Alors, une chose à la fois, ici... Bon, après, 21 000 pour toi contre donner... 12 000 contre lui, pour lui, mais bon. Ouais, mais bon, il y a quelques petits problèmes. Smaland, alors, créer le titre de Smaland. Après, je vais pouvoir prendre le relais hein, sur ma guerre. Accorder un titre. Smaland. Très bien. Ici, là, le duché au nord, c'est quoi? Ça appartient à lui. Bah, tu vas le créer tout seul parce que t'es un grand garçon. Mais je te donne les 2 terres. Voilà, accordé. Ensuite, très bien. Gotland, tu te débrouilles. Ah tiens, j'ai un roi ici. Un roi de Lituanie. Je peux pas lui transférer d'autres trucs. Là, transférer le vassalage. De ça. Ah bah, je suis transféré à Holstein. Donc... Bon, bah oui, du coup, je vais... Okay, je suis bon. Désigner un successeur pour le rôle de... Ah oui, c'est vrai, bah il faut... Eh ben, tu es le nouveau chef culturel, ce qui est forcément logique, vu ce que tu viens de ramasser. Oui. Vu ce que tu viens de ramasser. Je peux proposer... Ah bah voilà, 100% de score de guerre. Ouais, mais... Attends... Ok, bon, bah je te laisse gérer ça et moi je vais aller
au Danemark. Je disperse tout le monde parce que j'en peux plus. Alors, tac. Le beau bordel. Et c'est une guerre pourquoi ? Revendicaton. Je m'en fous. Du compte. Je peux pas faire une paix blanche, t'es sûr. Et si je me. Et si je fais une paix. Ouais, je m'en fous, moi je veux pas ça. Oh le bordel à gérer tout ça là, putain. Oh là là là. Oui. Franchement, oui. Mais bon. Hop. De toute façon, ici, on va continuer sur les chroniques, ça me paraît très bien. Okay, négocier là, des alliances. Ah, des membres, des voisins peuvent être vassalisés. Bah ouais, tu m'étonnes. En... Ah oui, en basse, voilà. On va poser la vassalité. Bah oui, tous les voisins en fait autour qui sont... qui... Oula ! Ah d'accord, ah, c'est à ce point-là que tu peux vassaliser du monde. Je m'y attendais pas. Toi, je peux pas te proposer la vassalité. Parce qu'il est en guerre. Oula, tant de ça c'est pas cool. Est-ce que la Scanie est en guerre? La Scanie est en guerre. Oh non, mais je me suis fait intercepter en Pologne par des Danois quoi, sérieusement. Ah oui, c'est con. Tout ça parce qu'il est venu se battre contre des Allemands. Hein. Non, contre Sherven. Mais il m'a intercepté moi à la place. Super. Et c'est quoi que je vise? Putain, en plus, c'est Sogn, quoi. Je m'en fous de Sogn. C'est quoi? Je vais me rendre parce que je m'en fous de cette guerre. Ah non, je peux pas me rendre, apparemment. Si je me rends. Non, mais j'aimerais bien une paix blanche, hein, au final. Vu il me demande la moitié de ma fortune, ouais, bah, je vais demander une paix blanche. Ouais, c'est le bordel total, mais total, total, total. Envoyer un poème. Mon héritier, il est plus qu'héritier de l'Empire. Il a même plus de royaume, plus rien. Ah. Des titres peuvent être créés. Je peux vassaliser lui. Très bien. Ok, je suis submergé par le stress, c'est magnifique. Ah ben moi j'aime bien cette Suède, au final. Proposer la vassalité, tu ne veux pas, ben tu vas mourir, c'est très bien. Toi t'es en guerre. Et toi tu vas aller me faire la prise de l'objectif. Allez, t'es à zéro de balance, merde, qu'est-ce que je dois faire de plus ? Change. Ça je peux transférer. Entre tout. Je pense que ça sert à rien, mais bon. Tiens, Scanny, je t'envoie aussi un petit cadeau. Hop, si tout le monde m'aime, ils accepteront plus facilement les vassalisations. Hop, hop, ici. Ouais, là ça va être plus compliqué parce qu'ils ont pas la bonne religion, mais. Et juste pour te prévenir qu'on se rapproche de l'admire vu qu'on compte faire des épisodes plus courts aujourd'hui. C'est vrai, ouais, mon minuteur allait sonner dans une minute. Mais on met un petit minuteur, ah bah. Hein, comme ça au moins ça aide. Pour être sûr et que vous ayez vos épisodes. Ouais, exactement. Bon, et ben écoute, dans ce cas-là, mettons pause ici et puis on verra bien ce qui se passera après. C'est un bordel incroyable. Effectivement. Écoutez, j'espère que incroyable, mais... ouais, j'espère que ce petit épisode, mais petit mais costaud quand même, hein, vous aura plu. Putain, ouais, il y a du vert partout, hein, la vache. Tu es bien présent partout, ouais, effectivement. Ouais.
Et ben, en tout cas, on vous dit à dans 2 jours pour la suite de cette européanisation forcée. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien. À plus.